Bonjour, je suis Arnaud de Palmas, maître d'armes du cercle d'escrime du Grand Cahors. J'enseigne depuis 3 ans à Cahors l'escrime pour toutes les personnes de 7 à 77 ans. L'escrime, c'est un sport de combat qui a plusieurs centaines d'années d'existence, mais qui existe en tant que sport depuis les années 1900. Ils étaient présents aux premiers Jeux Olympiques en 1896 et jusqu'à nos jours, nous pratiquons l'escrime en France et dans l'ensemble des pays qui participent aux Jeux Olympiques. J'ai débuté l'escrime assez tardivement, vers 15-16 ans. C'est mon maître d'armes, le maître Robert Garrigue, qui souhaitait que je prenne sa relève au club où j'ai été formé. Et comme le sport me plaisait et que j'ai pris goût à ce sport, j'ai pris la relève avec plaisir. Développons l'escrime pour tous, oui, et nous essayons d'ouvrir les créneaux à tous les tireurs. Nous avons principalement des jeunes, mais il y a un gros groupe d'adultes qui fait le noyau du club et qui pratique. Nous avons deux tireuses, par exemple, aujourd'hui, qui tirent en vétéran, qui ont débuté l'escrime tardivement, puisqu'elles ont commencé il y a 2 ans à l'escrime à plus de 40 ans. Organisons la compétition Tournoi des Diablotins où les tireurs de Midi-Pyrénées sont venus participer. C'était des enfants de 7 à 12 ans, donc pupilles Benjamin. Et aujourd'hui, nous organisons aussi le championnat Ligue Midi-Pyrénées où nous accueillons les tireurs de plus de 40 ans qui se battent pour le titre de champion de Ligue Midi-Pyrénées. Nous voulions utiliser la légende du pont du Valentré avec le diable comme symbolique. Et pour cette compétition de jeunes de 7 à 12 ans, nous trouvions que les diablotins correspondaient bien à cette compétition.